Le feuilleton Kylian Mbappé touche enfin à sa fin. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du feuilleton Kylian, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, le PSG a réintégré Kylian Mbappé dans le groupe. Il faut le dire, Kylian Mbappé avait été écarté par le PSG parce qu'il avait refusé de prolonger son contrat. Les dirigeants du PSG ont dit, soit tu prolonges, soit on te vend. Ils ont pris la décision de réintégrer Kylian. Alors, on se pose la question, est-ce que les deux parties ont trouvé un terrain d'entente? Est-ce qu'ils ont trouvé un accord? C'est la question que tout le monde se pose. Tout le monde se pose cette question parce qu'on ne comprend pas que Kylian a dit qu'il ne prolonge pas, qu'il va finir son contrat. Et de l'autre côté, tu as le PSG qui dit que non, si tu ne prolonges pas, tu es écarté, on va te vendre. Moi, je vais plutôt pencher sur la première option. Moi, je me dis que Kylian Mbappé a finalement cédé à la pression du PSG. Pour moi, il a cédé à la pression. Ils ont dû trouver un accord en se disant que, écoutez, tu vas prolonger et ensuite, on va te vendre. Je me dis peut-être que dans la prolongation, il y aura une clause qui va peut-être stipuler que Kylian sera sur le marché la saison prochaine pour ne pas qui s'en aille gratuit, tu vois. Il faut que lorsqu'il s'en aille, il ramène de l'argent au PSG, il ramène de l'argent au club. C'est quand même le club qu'il a peaufiné, donc il ne faudrait pas qu'il s'en aille sans que le club gagne de l'argent. Moi, ça m'interroge énormément, mais en même temps, moi, je suis fier de voir Kylian rester en Ligue 1, je suis fier de voir Kylian former un duo avec Ousmane Dembélé, parce qu'on a vu que dans le jeu de Luis Enrique, ça manquait une personne qui va apporter de la créativité, qui va accélérer le jeu. Luis Enrique, il a fait le match face à Lorient. Son équipe a fait mille une passe, les gars. Mille une passe. Record, c'est un record en Ligue 1. Mais ça manque d'occasion franche, ça manque de mouvement, ça manque de rapidité, ça manque de fluidité, de déstabilisation. Je pense qu'avec Kylian, ça peut beaucoup apporter avec Kylian Mbappé. Donc moi, je suis content de le voir rester au PSG, au moins pour une saison de plus. Former un duo avec Ousmane Dembélé. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu es fier de voir Kylian? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.